Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. S'il y a un ouvrage ou un ensemble d'ouvrages dont on peut dire qu'il est devenu véritablement mythologique dans notre conscience commune, c'est bien le Zohar, le livre de la splendeur. Le Zohar, c'est-à-dire cet écrit fondamental de la Kabbale judaïque, qui va ensuite traverser les siècles, non seulement évidemment chez les Juifs, mais aussi chez les chrétiens, puisque dès la fin du XVe siècle, particulièrement en Italie, dans le cercle qui entoure les Médicis, avec Pic de la Mirandole, Marcel Fissin et ceux qui le suivront, va naître une Kabbale chrétienne. Et ce livre en même temps, d'une certaine façon, souvent nous ne l'avons pas lu, nous l'avons imaginé, nous en avons entendu parler, alors même que c'est un livre qui renferme beaucoup de difficultés, beaucoup d'obscurité, et d'obscurité due à un certain type de parole, qui est à la fois une parole mystique, une parole extatique, et d'une certaine façon, pourrait-on dire, une parole prophétique. C'est donc le Zohar que, pendant tout un ensemble d'émissions, nous allons essayer d'étudier afin d'en comprendre la chair la plus intime. Mais dans les deux émissions qui vont venir, nous allons d'abord nous livrer à une introduction générale du Zohar, c'est-à-dire examiner les conditions qui lui ont permis d'exister, l'horizon général dans lequel il s'inscrit. Alors, pour nous conduire dans cette exploration, nous avons avec nous Charles Mopsik, qui est directeur d'études au CNRS, et qui, depuis presque 20 ans aujourd'hui, s'est attaché à la traduction systématique du Zohar. Et afin d'entrer dans le monde mental, dans le monde spirituel en même temps, qui est celui du rédacteur du Zohar, c'est-à-dire de Moïse de León, à la fin du XIIIe siècle en Espagne, la première question à se poser, bien entendu, c'est celle des origines, c'est de comprendre ce qu'est la Kabbale en tant que telle, puisque c'est à l'intérieur de la Kabbale que le Zohar va être écrit. Peut-être que les légendes sont plus intéressantes que l'histoire telle qu'on peut la reconstituer. Parce qu'effectivement, ce livre se présente comme l'œuvre de Rabbi Shimon ben Yochai, un Tana, c'est-à-dire un enseignant du premier siècle, de la fin du premier siècle, début du deuxième siècle, qui vivait à Jérusalem et dans les environs. Et évidemment, jusqu'au XIIIe siècle, on n'avait pas connaissance d'un livre qui lui aurait été attribué, écrit par lui, puisqu'il n'y en avait aucune trace avant cette date. Et donc, il a fallu pour les médiévaux eux-mêmes, pour les kabbalistes eux-mêmes, expliquer sa soudaine apparition. Une des légendes qui ont couru, c'est que des explorateurs ou des voyageurs qui cheminaient dans le désert avaient retrouvé dans les sables un ensemble de volumes qu'ils avaient décidé de transporter avec eux, des volumes qu'ils n'avaient pas compris puisqu'ils ne connaissaient pas la langue du livre, qui est l'araméen. Ils l'avaient transporté avec eux sur des chameaux, et donc, selon cette légende, le Zohar qui serait parvenu entre nos mains ne serait qu'un petit fragment d'une œuvre encore plus immense, dont une partie aurait été à nouveau enfouie dans les sables du désert. Une autre idée, qui cette fois est rapportée par un kabbaliste du XIVe siècle, Isaac d'Acre, et qui était parti en Espagne, à la rencontre, à la recherche de l'auteur du Zohar, ou à la recherche des traces de l'origine du Zohar,
c'est que ce livre aurait été rédigé par Rabbi Moïse de Léon, Rabbi Moshe Ben Shem Tov de Léon, qui vivait surtout à Guadalajara, donc en Castille, vers la fin du XIIIe siècle, qui est connu par ailleurs pour une œuvre de kabbaliste en hébreu tout à fait classique, et qui aurait écrit ce livre grâce à l'usage magique d'un Shema Kotev, d'un nom écrivain. Un nom, l'invocation d'un nom angélique ou divin, capable de susciter une écriture quasi automatique qui se révélait la transcription d'un enseignement ésotérique remontant à Shimon ben Yochai, d'un enseignement transmis dans l'école du ciel et parvenu sur terre par ce biais prodigieux. En dehors des légendes, l'histoire nous apprend que le Zohar est une œuvre assez typiquement kabbalistique, à la fois par ses thèmes, par son style, par sa langue également, par la terminologie qui est employée, du XIIIe siècle, qu'il a probablement été rédigé, très probablement même, par Moïse Ben Shem Tov de Léon, à l'aide ou pas à l'aide d'un nom ou de pratique quelconque. Ça, c'est une autre question qui relève de la psychologie des religions, et qui a été transcrit sous plusieurs formes, du reste, dès le début, et il a circulé par petits paquets, c'est-à-dire non pas comme un livre entier, c'est pas un texte compact, mais un texte stratifié comportant plusieurs traités, donc un livre composite qui est tout de même dû à un seul auteur, kabbaliste intéressant par ailleurs, puisque en dehors du Zohar, il est aussi, et de ses écrits en hébreu, l'auteur d'autres écrits pseudépigraphiques, c'est-à-dire dont on attribue le titre à des autorités anciennes, comme le testament de Rabbi Eliezer, qui était un autre Tana de l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, ou d'un Seder Gan Eden, d'un ouvrage qui décrit l'ordre, Seder, du Jardin d'Éden, c'est-à-dire du paradis. Et d'ailleurs, on retrouve des éléments de description paradisiaque dans le Zohar lui-même. Une autre strate, le Tikkuné HaZohar, qui est une œuvre distincte, qui n'a pas été inclus pour sa plus grande partie, sauf quelques passages, dans le Zohar lui-même, et qui constitue un commentaire sur le premier verset de la Genèse. En fait, c'est un livre qui commente de 70 façons et plus encore, uniquement le tout premier verset de la Bible. C'est un ouvrage donc du XIVe siècle, qui a été publié à peu près à la même date que le Zohar, vers 1558, à Mantoue. Le Zohar ayant été édité, donc en version imprimée pour la première fois, en 1558-1559, à Crémone et à Mantoue, donc par des imprimeurs italiens, autour d'ailleurs de cette publication initiale. Il y avait une grande discussion et des controverses, puisque le Zohar était un livre ésotérique. Beaucoup se demandaient s'il n'était pas sacrilège de le diffuser à un large public et de le mettre à la portée des enfants, des femmes et des personnes qui n'étaient pas instruites suffisamment pour pouvoir y accéder. Mais finalement, un kabbaliste italien de l'époque, qui a préfacé la première édition du Zohar, Isaac de Lattès, a tranché en faveur de sa publication, indiquant que ce livre devait être publié parce qu'il avait une vertu particulière, historique, qui est celle, enfin méta-historique,
d'accélérer la rédemption, de faire venir plus tôt, de hâter la venue du Messie. Et peut-être même que d'une certaine façon, il a été confondu avec le Messie lui-même, puisqu'il a un caractère rédempteur. La couronne suprême, secret du degré le plus haut, clos et scellé, gravé dans le secret de la foi. Elle est appelée air limpide insaisissable, et elle est le principe de toute l'existence. Tous les hommes s'épuisent dans leurs recherches, et il ne faut ni spéculer, ni penser en ce lieu. Ce domaine est nommé par le secret de l'infini, car il est le principe de tout. En vérité, sur lui se brise l'ardeur des sages, car il est le secret de la cause des causes, comme nous l'avons indiqué, et c'est lui qui leur donne à tous l'existence. Il faut réaliser, réfléchir et disposer l'esprit et la pensée au fait que lui, béni soit son nom, est l'annihilation de toutes les pensées et qu'aucune idée ne le contient. Or donc, puisque nul ne l'appréhende de quelque façon, il est appelé néant. C'est le secret du verset. La sagesse, tu la trouveras à partir du néant. Moïse de Léon, le cycle du sanctuaire. Le cheminement du Zohar est une autre question, peut-être plus intéressante encore, puisque il a fallu quelques temps, quelques décennies, pour que l'ouvrage comme canon de la littérature kabbalistique, de la littérature mystique, soit reconnu et soit même considéré comme un livre sacré. C'est à partir du XVIIe siècle que ce livre a eu le statut d'ouvrage saint. Il a d'ailleurs été appelé Zohar Kadosh, le Saint Zohar. Et ce processus de canonisation, sacralisation progressive s'est effectuée tout au long des siècles, à partir surtout du XVIIe siècle, à tel point que la simple possession de l'ouvrage, je parle bien sûr de l'original, est considérée encore de nos jours, dans beaucoup de milieux juifs religieux, comme étant capable d'attirer les bons anges et un sort favorable. Vous nous dites donc, Charles Mapsic, que historiquement, le Zohar est sans aucun doute de Moïse de Léon, c'est-à-dire, nous avons d'abord un arrière-fond kabbaliste, d'une part, et d'autre part, cela se place très précisément en Espagne. Alors je crois qu'il serait bon, effectivement, de rappeler quand même, ne fût-ce qu'à gros traits, ce qu'est la Kabbale, puisque c'est quand même le soubassement du Zohar. Le Zohar ne s'explique pas sans la Kabbale, et d'autre part, quelle est la situation des Juifs en Espagne, à cette époque-là. La situation des Juifs en Espagne est une situation qui commence à se détériorer. Vers la fin du XIIIe siècle, les Juifs connaissent des difficultés avec leur entourage, leurs voisins chrétiens, puisqu'on est dans l'Espagne de la Reconquista, il n'y a plus de musulmans en Espagne, après la chute du dernier bastion andalou. Et donc le christianisme est totalement triomphant dans la péninsule ibérique, et l'Église cherche à imposer ses règles, ses lois et sa souveraineté, sa puissance sur les souverains espagnols. Cette lutte politique, qui est aussi une lutte religieuse, s'est fait sentir sur la communauté juive qui commence à subir des restrictions dans sa circulation. Par exemple, elle était obligée d'assister aux prédications de prêtres, de congrégations comme les dominicains. Les frères prêcheurs venaient dans les synagogues, en général le samedi, où les juifs étaient rassemblés, et ils devaient écouter des prédications, bien entendu, favorables au christianisme. Il y a certaines exactions qui sont commises de plus en plus. Il y a des pendaisons quand les juifs avaient des relations avec des non-juifs, des relations sexuelles. Enfin, globalement, l'environnement devient de plus en plus hostile. Les juifs ont tendance à se replier
sur leur communauté. L'Espagne chrétienne est totalement imperméable, ou presque totalement imperméable, à tout échange culturel avec la Kabbale. Dix chiffres abîmes. Nombre des dix doigts. 5 face à 5. L'alliance de l'unité située au centre, dans la circoncision de la langue et de la bouche, ainsi que dans la circoncision de la nudité. 10 chiffres abîmes. 10 et non 9. 10 et non 11. Examine-les et sonde-les. Connais, considère et conçois. Dresse la chose sur sa base et assieds le Créateur sur son siège. Leur mesure est 10 parce qu'ils n'ont pas de fin. Leur fin est fichée dans leur origine et leur origine dans leur fin, telle une flamme liée à un charbon ardent. Connais, considère et conçois que le Seigneur est unique et le Créateur est un et n'a pas de second. Et avant un, que comptes-tu? 10 chiffres abîmes. Leur mesure est 10 parce qu'ils n'ont pas de fin. Profondeur, commencement et profondeur terme, profondeur bien et profondeur mal, profondeur haut et profondeur bas, profondeur est et profondeur ouest, profondeur nord et profondeur sud, et un Seigneur unique, Dieu, roi fidèle, les gouverne tous depuis sa sainte demeure et jusqu'à perpétuité. Sefer Yetzira, livre de la création. Alors qu'est-ce que la Kabbale ? L'histoire de la Kabbale commence dans le sud de la France, dans le Languedoc, autour de figures comme celle de Abraham ben David de Posquières, une ville qui n'existe plus sous ce nom actuellement, qui est donc près de Narbonne. Et c'est autour de Narbonne que les premiers écrits de type kabbalistique apparaissent. Donc Abraham ben David et sa famille, Asher ben David, son neveu Isaac dit Isaac l'aveugle, qui est le premier à rédiger un commentaire kabbalistique sur le livre de la création, le Sefer Yetzira, un ouvrage qui remonte, on ne sait pas très bien le dater encore, mais on dit entre le 3e et le 6e siècle. Et puis quelques interprétations relatives à la forme divine, en particulier à quelques textes talmudiques qui traitent de façon sporadique, qui décrivent Dieu comme apparaissant à Moïse sous la forme d'une figure humaine. Quelques autres éléments de tradition kabbalistique sont de provenance rhénane. En Rhénanie, à l'époque, il y avait une école, plutôt un mouvement piétiste juif, qu'on appelait les chassidés ashkénazes, les piétistes d'Ashkénaz, dont la figure de proue était Yehuda Hassid, Judas le Pieux, et son disciple principal était Éléazar de Worms. Et c'est dans les traditions d'Éléazar de Worms, traditions aussi ésotériques, mais qui ne sont pas proprement d'ordre kabbalistique. Mais déjà, se mettent en place des éléments qui vont converger, ainsi que d'autres qui viendront un peu vers la même époque d'ailleurs, d'Italie, qui peu à peu, en l'espace environ d'un siècle, vont constituer un système organisé, une doctrine au sens plein, et c'est cela que l'on va appeler la Kabbale. Donc la Kabbale est à la fois une doctrine qui concerne le monde divin, le monde angélique, le système des lettres de l'alphabet, puisque le Sefer Yetzira a déjà attribué aux lettres de l'alphabet un pouvoir créateur. Donc, des théories sur la création, comment le monde a été créé, des théories sur le créateur, qui est le créateur, sur la forme de ce créateur, une forme anthropomorphe, puisqu'un verset de la Genèse avait dit que Dieu avait créé l'homme à son image, et l'homme évidemment, en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, son âme, ses relations avec le monde divin, avec la forme divine,
et en quoi cette âme et cet homme, à travers la Torah, à travers les prescriptions, les commandements, est en relation avec ce monde divin qu'il altère ou qu'il, dont il augmente la puissance à travers ses actes. Et bien entendu, à tout cela s'ajoute une pratique courante dans le judaïsme traditionnel, c'est-à-dire celle de l'exégèse de la Bible en général, du Pentateuque en particulier, mais et exégèse également de quelques de textes de Haggadot, c'est-à-dire de récits talmudiques, qui brodent, qui développent, qui imaginent à partir du texte biblique, qui déploie le récit biblique en un nouveau récit plus contemporain, où les valeurs du moment, en l'occurrence de l'époque entre le 1er, le 5e, 6e siècle, sont projetées. Et le Zohar est un recueil qui tire parti de tous ces enseignements antérieurs, à la fois des traditions éparses et des élaborations qui avaient déjà été faites de façon plus systématique par les kabbalistes espagnols, et bien entendu à partir également du Bahir, qui est un livre, qui est peut-être le premier livre kabbalistique dont on connaît l'existence, qui demeure énigmatique sous bien des aspects, dont l'origine première, on pense maintenant qu'elle se situe chez les piétistes, chez les mystiques rhénans, donc Ashkenaz, et qui va être en traversant la Provence, le Languedoc et l'Espagne du Nord, enrichi pour devenir ce qu'il est devenu sous sa forme connue aujourd'hui, c'est-à-dire un ouvrage kabbalistique ou proto-kabbalistique. אני הבצלת השרן שושנת העמקים כשושנה בין החחים כן רעייתי בין הבנות כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. Vous avez prononcé deux mots, Shalom Apsik, sur lesquels il faut peut-être s'expliquer un tout petit peu, en parlant de sens ésotérique, enfin ésotérique au sens réel, c'est-à-dire le trésor caché, si l'on peut dire, à l'intérieur d'un texte, et non pas la dérive que ça a connue de nos jours, et d'autre part, le mot de théosophie. Et évidemment, la question se pose de se dire, mais par rapport au texte même de la Bible, qui est en principe un texte révélé, qui est un texte saint, en quoi peut se justifier une activité ésotérique, en quoi peut se justifier, je dirais, l'adjonction d'une théosophie. Oui, la Bible est un livre révélé aux yeux des kabbalistes aussi, mais le kabbaliste est quelqu'un qui tend à se mettre à la hauteur de cette révélation, au sens où il est lui aussi le réceptacle d'une révélation. Kabbaliste veut dire celui qui reçoit, mais Kubal, ou celui qui est reçu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas seulement un lecteur ou un consommateur d'une révélation, mais quelqu'un qui, par une expérience particulière, une expérience d'ordre mystique, va se situer à un niveau de conscience qui va le rendre capable non seulement de lire les versets tels qu'ils sont écrits, mais de lire la source, d'être en contact avec la source des versets. Et donc de comprendre les versets, pas seulement à partir du résultat scripturaire, mais du jaillissement qui est à l'origine de leur profération et de leur inscription. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre, je crois, surtout le mot ésotérique ou le mot secret, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la connaissance d'un code, de la façon dont le texte biblique a été encrypté par un génie supérieur et qu'il est parvenu aux hommes sous une forme
comme un qui reste à décrypter par ceux qui en connaissent les clés, mais plutôt il s'agit d'un contact avec une source, la parole divine, qui va permettre une lecture nouvelle de versets anciens, mais non pas une lecture arbitraire ou une lecture comme une autre, qui est simplement le fruit de l'imagination ou de l'habileté du lecteur, mais qui est aussi le fruit de la capacité de ce lecteur particulier, qui est le kabbaliste, de se situer comme récepteur de cette parole, de cette parole qui continue à être proférée, qui ne s'est pas close, qui ne s'est pas tue après avoir dicté le texte biblique, mais qui continue à parler, dont le texte biblique, dont les versets, ne sont qu'un moment de sa profération, qui s'est prolongé, qui se prolonge, en tout cas dans la conscience du kabbaliste, dans la lecture qu'il fait du verset lui-même, puisqu'entre le lecteur et le livre, il y a un rapport de collaboration. Comme le disent souvent les kabbalistes, le lecteur, l'interprète, est le co-créateur du livre et le co-rédacteur du texte biblique. Chaque lecture est capable de modifier, dans le sens où elle va repêcher des étincelles de sens négligées. C'est un travail de restitution, de tikkun, comme disent les kabbalistes, de réparation. Restitution et restauration du sens du trésor caché, vous le dites, des secrets de la Torah. Le mot secret en hébreu, bon, ou en araméen, signifie pour les kabbalistes pas simplement quelque chose qu'il faut taire, mais aussi et surtout une relation avec ce qui est l'intimité d'une signification. D'ailleurs, même dans l'hébreu le plus littéral et le plus classique, le mot sod, qui est traduit souvent par secret, signifie le conseil, dans le sens, non pas du conseil qu'on donne à quelqu'un, mais le conseil d'un roi, le roi étant Dieu, bien évidemment. Seigneur des mondes, tu es cela, l'origine des origines, la cause des causes, qui arrose l'arbre des séphirotes par la source de la couronne. Et cette source est comme une âme pour un corps, car elle vivifie le corps. Mais de toi, il n'est ni image, ni représentation parmi toutes choses intérieures ou extérieures. Tu as créé le ciel et la terre. Tu en as fait émerger le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Et sur la terre, les arbres, les végétaux, le jardin d'Éden, l'herbe, les animaux, les oiseaux, les poissons et les hommes, afin que les entités supérieures se laissent connaître à travers eux, ainsi que leur façon de conduire les êtres d'en haut et d'en bas. Mais de toi, nul ne sait rien, et hors de toi, les êtres supérieurs et inférieurs n'ont pas d'unité. Tikkuné à Zohar. Ufir yomatok lehiki Evi ani el betayayi Vediglo alai Ahava. À un verset n'est pas attaché un seul sens intime, mais une pluralité. Ce qui est paradoxal, puisque qui dit sens intime ou ultime, sens profond, dit sens unique. Mais pour les kabbalistes, au contraire, plus l'on va dans la profondeur d'un verset, plus l'on s'achemine vers son noyau originel, vers sa source, et plus l'on s'approche d'une pluralité de signification. Puisque, finalement,
plus on est près de la source, plus on est près de ce qui est, de ce qui contient potentiellement toutes les significations qui vont être déployées ultérieurement. Et donc, plus l'on s'approche de l'unité, de la source unique, plus l'on rencontre de multiplicité de significations et de couleurs différentes. Le kabbaliste est en même temps un mystique qui a une expérience intérieure, pour ne pas dire dans son sommet une expérience extatique d'une certaine façon, dans laquelle il voit, je ne dirais pas la face de Dieu, mais au moins une manifestation de Dieu. Et est-ce que cela n'est pas quelque chose qui, je dirais, par les milieux hébraïques traditionnels, au départ, n'a pas posé problème, dans la mesure où c'était tout à coup créé comme une sorte de, je dirais, de monde intermédiaire, finalement, entre le divin absolu inconnaissable en tant que tel et l'homme? Alors, d'abord, il faut noter qu'il a toujours existé un monde, des mondes intermédiaires, y compris dans la tradition rabbinique et même biblique, entre Dieu et les hommes. Il s'agit du monde des anges. Mais effectivement, il est permis de s'interroger sur les relations entre le judaïsme traditionnel, rabbinique, et la Kabbale, les kabbalistes. La première chose qui surprend et que l'on note, c'est qu'il n'y a pas eu, même quand la Kabbale s'est imposée largement en Espagne, d'hostilité marquée de la part des autorités rabbiniques. À quelques exceptions près, les kabbalistes ont pu faire passer leurs thèses, leurs ouvrages, leurs écrits, sans rencontrer d'obstacles, sans rencontrer d'opposition majeure. Une des raisons, c'est sans doute que la Kabbale venait à point nommé pour permettre aux maîtres de la religion juive d'Espagne de prendre leur distance vis-à-vis de la philosophie ou la lecture ou le regard philosophique qui s'était largement imposé et qui était celle de Maïmonide. Maïmonide, qui est l'auteur du Guide des Égarés, est aussi un grand codificateur de la loi juive, à travers son Mishneh Torah, à travers quelques autres écrits. Et c'est une version, disons, qui tendait à faire du judaïsme, et en particulier de la vision d'Ézéchiel et l'interprétation de la création du monde, qui tendait à en faire des appendices de la philosophie d'Aristote. Et c'est finalement face à une aristotélisation du judaïsme que les rabbins avaient surtout à faire face et contre lesquels ils luttaient. Et la Kabbale leur a permis de détourner en quelque sorte l'attention des intellectuels ou de ceux qui voulaient avoir un rapport approfondi avec les textes, avec les grands thèmes religieux, d'avoir une autre approche que celle de Maïmonide, et donc l'approche philosophique aristotélicienne. Mais en même temps, c'était aussi une sorte de cheval de Troie, puisque bien qu'en donnant l'avantage, provisoirement en tout cas, au moins en tout cas, à la tradition, en rendant hommage au récit rabbinique du Talmud, qui était méprisé par les philosophes juifs de l'époque, en rendant hommage et en montrant que ces écrits, contrairement à cette opinion, avaient au contraire une signification profonde, c'était finalement la littérature rabbinique elle-même que les kabbalistes revalorisaient, restauraient, revivifiaient. Et donc, pour cela, les autorités rabbiniques ne pouvaient que leur en savoir gré. Mais, par ailleurs, comme ils en proposaient aussi une certaine lecture, une interprétation particulière, et un système qui appuie cette interprétation, qui est le système théosophique de la Kabbale, avec des séphirotes, des mondes intermédiaires, et une façon de se représenter le monde divin où la pluralité intervient,
à l'intérieur même du monde divin, ce qui pose un problème par rapport au monothéisme, évidemment. Constituait aussi une menace, mais une menace qui n'avait certainement pas l'actualité de celle qui était représentée par la philosophie aristotélicienne et maïmonidienne, une menace, disons, virtuelle. Il y a eu quelques oppositions. Par exemple, en Provence, quand le baïr a commencé à circuler, un maître qui a pris la plume et a tenu des propos d'une dureté, d'une radicalité très très grande. Ce rabbin qui s'appelait Meméir ben Siméon de Narbonne, et accusait le baïr et la cabale par derrière le baïr de soutenir des thèses polythéistes et d'être une forme d'idolâtrie. Il ne mâche pas ses mots dans son texte. Mais, curieusement, ce discours, qui est pourtant d'une force et d'une vigueur sans pareil, n'a pas eu d'écho, n'a pas été repris par ses contemporains ou par d'autres. Pourquoi? Comme je l'ai dit, je pense que c'est à cause de la situation concrète, et puis du fait que les kabbalistes n'étaient pas des gens qui militaient ouvertement pour une cause particulière, pour une forme de religion ou une forme de croyance particulière. La croyance qu'ils développaient, qu'ils nourrissaient, qu'ils cultivaient, était toujours... devait toujours être protégé à l'intérieur de petits cercles d'études. Pour eux, c'était cela qui comptait. C'était un enseignement de maître à disciple qui n'était pas destiné à être proféré en place publique ou dans des discours destinés à une audience générale. La Kabbale était tolérée, acceptée, mais à condition qu'elle ne soit transmise qu'un petit nombre, et non pas au public général, à condition qu'elle ne devienne pas une sorte de théologie officielle. Ce qu'elle finit tout de même par devenir, à une certaine époque, vers le XVIe, XVIIe siècle, dans certains coins du monde, comme Safed, par exemple. Mais cela reste finalement assez marginal dans l'histoire globale de la religion juive. Comme il est évidemment difficile de donner un prolongement à une pensée aussi dense, aussi secrète, au sens du trésor caché bien entendu, que celle de la Kabbale, nous allons changer complètement de continent mental, si l'on peut dire, ou spirituel, et nous intéresser d'abord au livre publié par les éditions des Clés de Brouwer, La poésie italienne du Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, livre dirigé et texte traduit en même temps par Henri Spitzmüller, et qui nous permet de découvrir toute la richesse de cette poésie italienne que généralement nous ne connaissons pas en France, à la fois dans ce qu'on appelle l'école sicilienne,
c'est-à-dire l'ensemble de tous les poètes qui ont entouré l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, cette cour dans laquelle on sait que, tout en étant catholique, on avait des contacts, on avait des liens établis très fréquents, très profonds souvent, avec les soufis d'Andalousie ou les soufis de l'Orient, et où ensuite, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'école toscane, on va finir par déboucher sur le doux style nouveau, c'est-à-dire la confrérie des fidèles d'amour, Cavalcanti, Guizzinelli, Lapi, pour se terminer en apothéose avec Dante. Et où c'est là tout un continent de la poésie qui nous est rendu dans la tessiture prophétique, dans la tessiture extatique en même temps de cette poésie italienne. Si je suis devenu fou, c'est toi, suprême sagesse, qui m'a ainsi fait. Lorsque j'ai fait échange avec l'amour et que je me suis dépouillé pour être revêtu de toi. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Charles Mopsik. Texte lu par Catherine Matelli et Frédéric Prévost, recherche sonore Nathalie Rouvillain, mixage Bernard Charon, Jean-Baptiste Etchepare-Bord, réalisation Isabelle Lefebvre-Huel. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 mars 2001. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site des nuits par franceculture.fr.